Bonjour à tous. Nous revenons en ce qui concerne notre cours sur la modélisation économétrique et les modèles macroéconomiques qui prennent en compte en fait des chocs exogènes. La fois dernière, nous avons introduit le modèle d'équilibre général calculable. Donc, nous avons eu à présenter en fait les objectifs en fait de ces modèles, mais aussi quelques théories. En fait, et les données, quelques chocs, des exemples de chocs exogènes que nous avons identifiés. Nous avons identifié la crise des subprimes de 2007 comme étant un choc exogène. La crise, la guerre en Ukraine, c'est un choc exogène. Nous avons aussi identifié le COVID, la crise pandémique, comme étant un choc exogène qui peut en fait entraîner, qui peut modifier les fonctionnements économiques en fait ou changer la planification. Donc, nous avons introduit en fait les modèles en fait d'équilibre général calculable qui sont en fait des modèles de simulation pour pouvoir, qui sont des outils puissants en fait conçus pour l'analyse et pratique des politiques et aussi qui aident à identifier en fait des propositions ou des facteurs en fait introductifs comme exemple l'introduction de la taxe carbone. Comme des chocs imprévus, en fait des chocs, c'est-à-dire sur le cours du pétrole, et essayer aussi de formuler en fait des politiques et aussi des cadres, c'est-à-dire les réponses adéquates permettant de pouvoir réduire en fait les conséquences sur l'économie réelle, sur les différentes variables économiques. Donc nous avons aussi, dans notre cas, nous avons aussi en fait définir en quoi les modèles d'équilibre général signifient en fait ces modèles. Nous avons dit que ce sont des modèles qui sont en fait qui sont d'équilibre déjà, calculables, c'est-à-dire parce que tout simplement nous cherchons à résoudre en fait une résolution numérique avec la matrice de comptabilité ou des paramètres concrets. Général parce que tout simplement c'est l'équilibre général concurrentiel de Walras et aussi nous cherchons. Aussi, nous sommes dans une situation d'équilibre dans la mesure où les agents trouvent leur solution optimale en fonction de leurs contraintes budgétaires. Donc, nous avons en fait introduit les avantages, l'utilité de ces modèles à travers, par exemple, en fait, des chocs exogènes et aussi des réformes économiques qui sont en fait identifiées dans des pays. Donc, nous avons aussi identifié leurs limites, mais aussi en quoi ces modèles tels en fait se différencient avec d'autres modèles et identifié quelques propriétés qui sont au nombre de cinq, qui est le premier critère, c'était le critère de structure de l'économie. Donc, nous avons aussi identifié les interactions entre le secteur. Comme troisième critère, la rétroaction, les prix. C'est-à-dire, nous avons dit que ici, nous utilisons en fait des prix relatifs et non en fait des prix en fait non les prix des niveaux, c'est-à-dire que nous éliminons en fait l'inflation. Et aussi le dernier en fait critère, c'était le critère historique. Donc après avoir présenté en fait ces modèles, les données, quelques chocs exogènes, nous avons en fait aussi interprété comment s'appelle-t-il, quelques étapes en fait qui permettent de mettre en place en fait ces modèles qui sont la définition de la problématique, construire un modèle mathématique, la collecte des données, en fait, programmer ou coder, reproduire un benchmark, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, dans notre cours, nous avons en fait continué la suite de notre cours. La suite consiste à pouvoir présenter un cas concret en fait de ces modèles au niveau de la modélisation d'équilibre général calculable, à savoir, nous allons essayer de présenter la théorie qui se cache derrière ces modèles. Nous allons en fait partir d'un cadre en fait simple, c'est-à-dire le flux circulaire d'une économie. Nous allons essayer de démontrer comment en fait ce flux sert de départ conceptuel fondamental qui est notre benchmark pour la théorie d'équilibre walrasien, qui sont en fait les fondements de ces modèles. Donc, dans cette théorie, en fait, nous cherchons à expliquer en fait le comportement de l'offre et de la demande et des prix dans une économie entière avec plusieurs marchés ou plusieurs secteurs qui sont en interaction entre, qui permettent aux agents d'interagir entre eux. Maintenant, nous allons aussi présenter la matrice de comptabilité sociale et montrer comment, en fait, des développements algébriques permettent de pouvoir refléter les conditions d'équilibre général.
Et nous allons essayer de présenter sur les chocs, en fait, des simulations ou les changements des politiques dans un modèle, en fait, dans le modèle d'équilibre général calculable. Donc, en ce qui concerne, en fait, les modèles, en fait, les modèles d'équilibre général, la théorie, le flux circulaire et l'équilibre wallacien. Le point de départ conceptuel d'un modèle est le flux circulaire de revenus dans une économie. C'est-à-dire que dans une économie, nous avons, en fait, comment s'appelle-t-il, le marché. Nous avons le marché de l'emploi. Nous avons la production et la vente de biens et services. C'est-à-dire que ce sont les deux marchés. Nous avons des salariés qui essaient de travailler, qui fournissent en fait les facteurs de production pour produire des biens. Maintenant, en contrepartie, des revenus les ont été octroyés. Ces revenus sont utilisés sur le marché pour acheter des biens et services. Donc, et le producteur gagne en fait aussi son profit à travers les ventes qu'il réalise. Donc, chacun dans ces flux circulaires essaye d'avoir en fait un revenu. Donc, ce revenu va lui permettre d'acquérir en fait un bien et service. Les acteurs principaux, en fait, dans cette économie, comme je vous ai dit dans cette explication, nous avons les ménages. Les ménages, c'est vous et moi et toute la partie qui achète, en fait, qui essaie, qui possède les facteurs de production et qui sont consommateurs finaux. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'achète, en fait, de l'eau, je bois, en fait, de l'eau, en fait, minérale. Donc, je suis un consommateur des biens finaux dans la mesure où le bien est consommé et détruit. Maintenant, si le producteur achète des facteurs intermédiaires pour produire un truc. Lui, il est consommateur final dans la mesure où il utilise des facteurs pour pouvoir en fait produire. Donc, nous avons les ménages. Les ménages, ils ont deux particularités. Ils possèdent en fait, ils proposent leurs facteurs de production pour travailler. Et ensuite aussi, ce sont des consommateurs finaux dans la mesure où ils utilisent leurs revenus pour acheter des biens et services. Nous avons les entreprises. Les entreprises qui louent les facteurs de production aux ménages dans le but de produire des biens et services. Et aussi, en fait, les entreprises sont là pour réaliser un profit au niveau, en fait, de leur production. Donc, des modèles, en fait, aussi, de nombreux modèles d'équilibre général présentent aussi le gouvernement, en fait, qui est le rôle de l'État dans des flux circulaires et souvent qui est passif, qui est collecter les impôts et verser ses revenus aux ménages et aux entreprises, dans la mesure où l'État aussi a des entreprises publiques qui essaient de verser, en fait, des revenus, mais aussi l'État aussi peut revenir de revenus sous forme de subventions, sous forme des aides sociales, en fait, voilà, sous forme aussi des diverses activités que l'État essaie de fournir de l'équilibre sous condition, en fait, de comment s'appelle-t-il, des facteurs du budget. Parce que lorsque l'État réalise un budget, en fait, elle essaye de pouvoir, en fait, elle essaie de pouvoir analyser est-ce qu'elle a un surplus ou pas, et comment est-ce qu'elle pouvait essayer de pouvoir aider, en fait, l'autre partie de l'économie qui n'arrive pas en fait à s'en sortir. Donc c'est ça le but de l'État. Donc l'État est là pour soit donner des subventions aux entreprises, soit aussi des aides sociales aux ménages, soit aussi payer les salariés étatiques, ceux qui travaillent dans les entreprises publiques, qui fournissent en fait le bien social, comme le bien en fait l'éducation. Vous voyez, l'éducation c'est un bien social, ainsi de suite. Donc nous avons tous ces facteurs, quoi. Tous ces facteurs qui essayent de pouvoir, en fait, qui essayent de pouvoir, en fait, qui essaient d'influer sur l'économie, le flux circulaire de notre économie, et aussi les différents agents qui essayent de pouvoir soit offrir un bien, un service, soit collecter de revenus. Maintenant, en ce qui concerne la carte, topographie, en fait, de cet équilibre. Nous avons identifié trois agents: les ménages, les entreprises et le gouvernement. Nous avons le marché des facteurs de production tout en bas et le marché des biens et services. D'accord? Nous avons les ménages, en fait, leur but, c'était de fournir les biens et facteurs de paiement que vous avez vu, en fait, en flèche appuyée. Maintenant, en contrepartie, en fait, ces ménages essaient de recevoir le salaire. Donc, essaient de recevoir leur salaire, leurs revenus, des facteurs de production qu'ils ont fournis.
voilà, les entreprises qui le recrutent essayent d'utiliser les facteurs de production et ces entreprises payent les salaires et les taxes, en fait, qui payent aussi, quand on appelle taxes, ces taxes sous forme de paiement de salaire. Et aussi, nous avons la relation entre, en fait, nous avons identifié en premier lieu la relation entre les ménages et les entreprises, ce que c'est un masque, c'est une relation. Je fournis des facteurs de production et en contrepartie, on me paye mon salaire. Maintenant, la relation entre les ménages et l'État, c'est que l'État, le ménage, en fait, pouvait fournir, en fait, les facteurs de production, mais en contrepartie aussi payer les taxes au gouvernement, ainsi de suite. Soit, en fait, c'est vice-versa, ou soit aussi, il y a des dépenses, en fait, qui ont été réalisées pour acquérir, en fait, ces biens et services. Nous avons aussi la relation entre le gouvernement et les entreprises, c'était la taxe. Les entreprises payent la taxe. Et aussi les ménages aussi, vous savez, peuvent payer les impôts, en fait, sur le revenu, ainsi de suite, quels sont la TVA et tous ces facteurs, en fait, aussi que l'État collecte. Donc, vous voyez, aussi, entre les entreprises qui produisent des facteurs de production, vont le proposer sur un marché des biens et services. Sur ce marché des biens et services, les ménages achètent ces biens et services et payent un revenu. Donc, ils réalisent des dépenses et l'entreprise reçoit ce revenu. Et aussi, ce sont ces revenus qu'elle utilise pour recruter ou pouvoir acheter d'autres facteurs de production. Voici ce qui se passe, en fait, entre le flux circulaire, en fait, les différents États. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne, en fait, le modèle d'équilibre, en fait, général, nous avons, en fait, le flux circulaire. Nous avons commencé en fait du côté de l'offre. L'offre d'entrant des factoriels, c'est-à-dire les facteurs, les services de main-d'œuvre et le capital, donc qu'on donne aux entreprises, et continue à l'offre des biens et services des entreprises aux ménages. Ce sont les produits que les entreprises qui possèdent, les fournitures de services factoriels, c'est-à-dire les facteurs, les services, les biens et services. Donc, alternativement aussi, on pouvait essayer de commencer par le paiement, en fait, que les ménages reçoivent pour les services de travail et le capital qui sont fournis aux entreprises par leur dotation primaire des facteurs et qui sont ensuite utilisés comme revenu pour payer les secteurs de production pour les biens et services que les ménages consomment. Donc, voilà. Donc, voici, en fait, les différentes, en fait, comment s'appelle-t-il, les différentes parties que nous pouvons utiliser pour pouvoir analyser notre flux circulaire et aussi en fait les différentes interactions qui peuvent survenir entre comment s'appelle-t-il entre les acteurs économiques. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la partie aussi, nous revenons sur en fait l'équilibre en fait dynamique qui peuvent exister quand vous voyez la différence entre les deux graphiques ici et celui-là. Et celui-là, là, nous avons ajouté en fait deux éléments fondamentaux qui sont en fait l'épargne et l'investissement. Donc, et le secteur international, dans la mesure où en fait une entreprise, un pays où n'est pas en autarcie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en fait axée toute seule, elle est toujours ouverte à l'économie internationale. D'accord? Donc maintenant, en ce qui concerne en fait les interactions qui peuvent exister, les ménages, quand ils vont travailler, ils vont essayer d'épargner en fait une partie de leur épargne. Donc nous tous ici, les ménages ont des épargnes. L'épargne pouvait être sous forme en fait d'un compte bancaire. L'épargne aussi peut être sous forme des terrains, des biens qu'on achète dans le but de pouvoir économiser. On ne sait pas en fait quand d'autres besoins vont se manifester, même pour spéculer. Aujourd'hui, nous pouvons acheter un bien, en fait, un terrain, et lorsque le prix des terrains va augmenter, nous allons pouvoir le vendre de manière à ce que nous puissions, en fait, gagner, en fait, un surplus, mais aussi essayer de pouvoir caractériser ces revenus lorsque nous allons essayer d'être dans le besoin parce qu'on a un surplus de revenus. Donc, nous allons essayer d'épargner dans la mesure où on ne sait pas dans le futur. C'est comme aujourd'hui quand vous prendrez un étudiant, lorsque, en fait, il est élève ou étudiant, à la fin de sa formation, il va être, en fait, un jeune actif. Il va commencer à travailler. Pendant ce temps, il a un revenu. Donc, il va commencer à épargner, à préparer sa retraite. Maintenant, lorsqu'il sera à la retraite, il va consommer, en fait, sa retraite.
Nous avons aussi l'investissement. L'investissement, c'est une partie de l'épargne ou toute l'épargne des ménages qu'on utilise pour pouvoir emprunter aux entreprises. Donc, les entreprises vont en fait avoir l'investissement. C'est-à-dire que lorsque vous avez un projet de création d'entreprise, donc votre but, c'était de pouvoir en effet utiliser. Essayer d'emprunter sur le marché ou sur le marché financier ou sur le marché bancaire. Et ce sont généralement l'investissement. Et la plupart des investissements proviennent des épargnes en fait d'une autre personne, d'accord? Que les gens placent soit dans les banques ou pour voir, ils investissent ailleurs. Maintenant, nous avons le secteur international. Le secteur international agit soit en apportant l'investissement, mais aussi soit en apportant les biens et services, dans la mesure où nous pouvons faire appel à l'investissement direct à l'étranger, donc ce qu'on appelle les EDU, qui permettent aussi de financer l'économie, comme dans la plupart en fait des économies en Afrique, nous constatons que il y a des investisseurs en fait chinois, européens, ainsi de suite qui viennent, qui financent soit la construction d'un pont, soit ainsi de suite. Donc c'est ça aussi les différentes interactions qu'on a avec l'extérieur. Donc toute cette partie en fait de l'économie ici, c'est nous sommes dans une économie dynamique dans la mesure où il y a vraiment l'interaction avec l'international et qui est beaucoup plus important et qui essaie aussi de pouvoir jouer. Nous aussi, nous exportons, nous importons. Voilà. Le secteur international, il y a le but soit d'apporter l'investissement nécessaire ou soit aussi de pouvoir faire l'import-export. D'accord? Donc, nous sommes dans un secteur en fait de notre modèle d'équilibre général calculable, mais qui est en interaction avec l'extérieur. D'accord? Donc, les modèles en fait d'équilibre wallerien, trois conditions définissent l'équilibre wallerien. Nous avons le marché parfait. La production des entreprises est totalement consommée par les ménages. Et la dotation des ménages des facteurs primaires est à son tour pleinement utilisé par les entreprises. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous importons, en fait, nous consommons ce que nous produisons et nous fournissons, c'est-à-dire que il y a le plein emploi dans la mesure où tout le monde est recruté, tout le monde, il n'y a pas de chômage, donc les gens sont recrutés, chacun a un revenu. Ainsi, pour un bien donné, la quantité produite doit être en fait égale à la somme des quantités demandées par les autres entreprises et ménages de l'économie. C'est-à-dire que je ne produis pas et perdre, c'est-à-dire que ne pas avoir un acheteur. Donc, je produis ce que l'économie a réellement besoin et pour vendre en fait mes biens de manière à ce que en fait il y aura pas en fait des surproductions. Le bénéfice en fait est nul. La valeur d'une unité de chaque marchandise dans l'économie doit être égale à la somme des valeurs de tout. Les entrants utilisés pour la produire. Donc, le coût en fait, des entrants des matières intermédiaires ainsi que le paiement au facteur primaire employé dans sa production. Donc, là, on essaye de supposer qu'on n'est pas là, en fait, dans une économie où nous cherchons à pouvoir et créer, avoir de revenus. Donc, nous allons utiliser les facteurs qui sont nécessaires pour pouvoir produire ces biens et nous allons essayer de le vendre au coût de production, c'est-à-dire que parce que le coût de ce qui nous a coûté pour pouvoir le vendre en fait sur le marché. Le solde en fait de revenus, les rendements en fait des dotations des ménages en facteur primaire reviennent aux ménages reviennent en tant que revenus que les ménages épuisent sur les achats des biens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque j'achète en fait, je sais que j'ai besoin de telle chose en fait. J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin en fait d'acheter à manger, j'ai besoin. Donc, je vais fournir les facteurs de production nécessaires à l'acquisition de ces salaires qui va me permettre de satisfaire mon revenu. Donc, je ne vais pas faire des heures sup ou avoir un salaire, un revenu qui est important et qui essaye en fait de pouvoir surpasser mes besoins. Donc, voyez, voici les trois conditions de l'équilibre wallerien. Le marché parfait, le bénéfice nul et le solde de revenus. Donc maintenant, en fait, l'équilibre, en fait aussi, ces conditions sont utilisées pour les modèles d'équilibre général calculable pour résoudre simultanément, en fait, l'ensemble des prix et l'allocation des biens des facteurs qui soutiennent l'équilibre général.
Donc, nous sommes dans cette optique de pouvoir résoudre simultanément l'ensemble des prix et l'allocation des biens. Dans le modèle d'équilibre général, l'équilibre général est modélisé en termes de troc de produits, parce qu'on ne parle pas de la monnaie et des facteurs, et non des transferts financiers. Donc maintenant, dans cette théorie en fait, d'équilibre, en fait, qui est, on suppose qu'il n'y a pas la monnaie. Donc c'est une histoire, c'est une technique de troc où les gens en fait, essaient en fait, d'échanger entre eux de manière à ce que, voilà, j'ai besoin de telle chose, vous me donnez telle chose et je vous, on fait une compensation dans la mesure où les transferts en fait, financiers n'existent pas. Donc, il n'y a pas de rôle pour l'argent. Donc, ici, on suppose que l'argent, en fait, n'a pas un rôle. Supposons, enfin, de rendre compte ces échanges commerciaux, les quantités des différents produits. Donc, c'est-à-dire, on doit encore être rendu comparable en déclarant leur valeur dans une unité de compte. Donc là, vous voyez, commune. Donc, c'est-à-dire que nous devons en fait supposer que tous ces facteurs-là, en supposant une monnaie commune, cette monnaie commune qui est essentielle et qui permet de pouvoir définir en fait comment s'appelle-t-il, cette économie, donc on parle de unité de compte, donc nous valorisons les biens en supposant en fait unité de compte pour que en fait le troc soit de manière transparente. Donc les flux sont donc exprimés en termes de valeur d'une marchandise, c'est ce qu'on appelle le bien numéraire, donc d'accord, dont le prix est considéré comme fixe. Donc pour cette raison, les modèles d'équilibre général. D'équilibre en fait général calculable ne résolve que des prix relatifs. Donc, nous supposons que ce sont des prix relatifs et non des prix en fait monétaires, c'est-à-dire des prix qui tiennent compte de l'inflation. Donc, voici en gros quelques caractéristiques de l'équilibre général ou alors ancien. Donc, nous allons essayer ici de présenter les données. Donc, parmi en fait les données que nous avons, nous pouvons aussi essayer de présenter ce qu'on appelle la matrice, notre fameuse matrice de comptabilité sociale. Cette matrice de comptabilité sociale, elle joue un rôle très important dans en fait, dans la modélisation ou la collecte des données nécessaires qui permettent de pouvoir identifier, comment s'appelle-t-il, notre modèle, qui permettent d'identifier les modèles. Donc, elle peut être définie comme un système organisé, représentant toutes les transactions et tous les transferts entre les différentes activités de production, facteurs de production et institutions. Donc, les ménages, en fait, les entreprises et le gouvernement au sein d'une économie et par rapport au reste de la société, c'est-à-dire du reste du monde. Donc, dans la mesure où, comme je vous ai dit, lorsque nous entrons en nous, nous mettons en place le reste du monde. D'accord? Les facteurs, ainsi que, en fait, une matrice, en fait, de comptabilité sociale est un cadre comptable complet dans lequel le flux circulaire complet de revenus est capturé. Donc, c'est-à-dire que toutes, en fait, les interactions, les flux financiers, les flux, que ce soit, pardon, le flux de revenus, d'accord, entre les ménages, les différentes interactions entre, en fait, les acteurs de l'économie, entre les secteurs, doit être capturé. Toutes les transactions de l'économie sont représentées sous forme de matrice sous forme de matrice dans une en fait matrice de comptabilité sociale. Donc toutes les interactions, une interaction est représentée dans une matrice en termes des interactions, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, ainsi de suite. C'est comme en fait la technique de la comptabilité à double entrée. Chaque ligne de la matrice de comptabilité sociale concerne les recettes d'un compte, tandis que la colonne représente les dépenses. Donc la ligne, ce sont en fait les recettes et les colonnes, ce sont les dépenses. Donc voici comment la matrice en fait de comptabilité sociale. Le total de chaque ligne est supposé être égal au total de chaque colonne correspondant en fait à la matrice carrée. Donc voici en fait une petite introduction de la matrice de comptabilité. Donc nous allons en fait revenir prochainement, en fait dans la session en fait prochaine. Et essayer de pouvoir introduire de manière très, en fait, expliquer de manière très détaillée cette matrice de comptabilité sociale qui est très utilisée dans le cadre de notre analyse.